Pour un jeu qui est sorti il y a 9 ans. S'il n'y avait pas les DLC, ça serait. Ouais. Voilà quoi. Donc heureusement qu'il y a les DLC, ouais. On va dire que ça rend le prix un peu moins. Voilà. Mais je trouve que le seul point qui est vraiment dérangeant sur Switch, je trouve, au-delà du fait que c'est pas la version spéciale édition, c'est que tu sens vraiment ce cercle. Bon, il est quand même très grand, hein, mais hein, ce cercle où. À l'intérieur de ce cercle, les choses sont chargées! J'ai trop de boules! J'ai beaucoup trop de boules! C'est incroyable! Et votre mêlée, ce qu'il vient de nous dire, putain, t'as pas de moule 34 Nelidex, c'est pas de shiny, et ben, chai! Mais j'ai trop de moules en fait, c'est incroyable! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il faut qu'on enchaîne! Je vais trouver 1000 shiny en fait! Il faut que je continue! C'est incroyable! YouTube, comment tu vas? Cette vidéo fait suite à l'Umivol qu'on a eu juste avant en 6 Navidex. Donc 6 Navidex en ayant commencé à 25 rencontres sur le Navidex. Ici, on est à 34 rencontres en ayant commencé à 22. Donc on doit être à peu près au même niveau en termes de odds. Je pense que j'ai juste passé un palier. Ouais, alors on a une chance sur 507. 34 rencontres. Et on a déjà un Mutual Shiny. C'est absolument outrageant. Je suis outrageant. Je suis outré. Je suis décontenancé, désappointé. Tout ce que tu veux. C'est dégueulasse. Et j'en suis conscient. Je suis désolé, évidemment. Ne m'en veux pas YouTube, mais claque des pouces bleus à la place. Ça me ferait beaucoup plaisir. On va les capturer Mucioles du coup de la même manière qu'on l'a fait juste avant pour Lumivol. Je vais hypnose. Et on va juste balancer des Lux Balls que je suis allé racheter en morse. Hop, j'en ai 200. Et on va réussir à le capturer assez rapidement. Oh, capture critique en plus. Vas-y, reste. C'est incroyable. C'est juste incroyable en fait. On se retrouve avec Romivol, du coup, le Mutiole Shiny. Donc Romivol et Jussiole, évidemment, Roméo et Juliette. C'est beau. C'est beau. Donc Romivol et Jussiole. Donc Romivol, relax de nature. Donc la synchro qu'on avait encore hein, sur le Garde War, qui baisse la vitesse, qui augmente la défense pour les mêmes raisons que Lumivol. Je vais y arriver. Hein. Lumivol Mutiole, j'ai du mal, vraiment. Mais voilà, bref. L'intérêt de ce Pokémon normalement c'est qu'il est joué comme l'autre du coup avec Farceur, avec que des attaques de statut ou quasiment qui du coup font que bah, la vitesse on s'en fout puisqu'il a une prio sur toutes les attaques qu'il utilise ou quasiment. Et il a 31 IV en vitesse comme tu le vois ici, au niveau de ses attaques il n'y a rien de particulier. Uppercut est peut-être un Egg Move, peut-être, je suis pas sûr mais peut-être que c'est un Egg Move. Et il a l'unique attirance en talent du coup, donc un peu dommage pour le fait qu'il n'ait pas Farceur cette fois. Mais voilà. Qui va jouer un Mutiole sur console? Personne je pense, mais bref. Le chat t'a dit au revoir YouTube, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi comme d'habitude, n'oublie pas de liker, commenter, partager tout ça, t'abonner à la chaîne. On compte sur toi. Rejoins-nous sur Twitch également, et sur les réseaux sociaux. Et bisous! Au revoir!